beaucoup. Prends soin de lui, c'est un footballeur que tu vois comme merci ça. Merci beaucoup. C'est le ministre qui m'appelle comme ça. Actuellement, moi, j'ai déjà quitté d'affaires de femmes claires. C'est culolo, moi, je regarde maintenant. Les culolo, les vrais culolo. Ça, attends. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger. Attends, qu'est-ce qui me regarde dans donnez-moi quelque chose à manger? On se connaît. Matin, je n'ai rien mangé, s'il vous plaît. On se connaît? Non. Ah, tu lève-toi, lève-toi. Personne ne me donne à manger dans la maison. Ma tête me néglige partout. Elle me tape souvent. Je ne sais pas quoi faire. Tu as une tante, elle te tape souvent. Oui, elle me tape dans la maison. Comme ça, ta place n'est plus à la maison alors. Tu veux manger ton temps. Mais un jeune comme toi, là, ton avenir, c'est dans le football. Tu peux devenir footballeur. Attends, tu as un passeport, je peux t'aider à voyager. Non. Tu as besoin de manger. Non, je peux t'aider. Et j'ai un grand footballeur à côté de moi ici. J'ai besoin de passeport immédiatement. Ce soir, je dois avoir le passeport. Je dois avoir le passeport ce soir. J'ai dit à ça. Moi, je te connais. Petit, bois, faut boire. Bois comme tu veux. Merci. Ça vient déjà changer. Tu as de l'avenir. Merci, tonton. Merci. Moi, tu as de l'avenir. Merci, tonton. Je vois de toi un grand footballeur. Merci beaucoup. Prends soin de lui. C'est un footballeur que tu vois comme merci ça. Merci beaucoup. Tu as déjà mangé, non? C'est bon? C'est bien pour oui, toi, non? Oui, mange. Ça va. C'est le ministre qui m'appelle comme ça. C'est pour ton dossier. C'est déjà validé. Alors, monsieur le ministre, j'ai déjà le footballeur que vous avez besoin là. J'ai déjà le footballeur avec moi ici. Un grand footballeur. Vous êtes là? Oui, bonsoir madame. Non, c'est bon, grand frère? Oui, c'est bon. Et puis ramasser les bouteilles? Oui, vous pouvez. Vous faites l'addition aussi? Oui, oui. En fait, 220 000. En fait, le boss a encore pris quelque chose de emporter quoi? Le boss viendra payer. Le boss est déjà parti de payer. Il a fait des emportés. Non, il n'est pas parti. Il viendra. Il est déjà parti? Non, il n'est pas encore parti. Monsieur P, moi, je suis parti. Moi, je rentre à la maison déjà. Le boss n'est pas encore parti, mais attendez, madame. La personne est déjà parti, non? Il n'est pas encore parti. La personne est déjà parti. Donc, moi, je vais rentrer à la maison. Je ne vais pas parler. Demande mon argent. Attendez, madame. Donne-moi mon argent, monsieur. C'est lui qui m'a acheté les choses, non? Si on refuse pas, mais donne-moi mon argent. La personne est partie, non? Pardon, s'il te plaît. Donne-moi mon argent, s'il te plaît. Attendez, madame. Je t'en supplie, donne-moi mon argent. Attendez. Donne-moi mon argent. Tu pars. Maintenant, tu ne veux pas payer, c'est ça? Il n'est pas encore parti. Donne-moi mon argent. Attendez. Donne-moi mon argent, là. Mais madame, laissez tout ce qu'ils ont pris. Il a fait quoi? Laissez, madame. Ils ont venu boire et le monsieur a dit que c'est le footballeur qui va payer. Maintenant, il a envie de raconter des bêtises, quoi. Oui. Faut payer, on va quitter ici. Faut payer la dame. Attendez, moi-même, je savais. Moi-même, je savais. Attendez. Quoi? Voici son téléphone. C'est son téléphone, ça. Quasi pour lui. C'est pour lui. Ma tête me néglige partout. Elle me tape souvent. Je ne sais pas quoi faire. Tu as une tante, elle te tape souvent. Oui, elle me tape dans la maison. Non, ça peut couvrir tout ce qui est là. Merci, chef. Non, tu as la chance. Hein. Bonsoir. Oui. Attends, je pense que j'ai gardé mon téléphone quelque part ici. Vous m'avez pas retrouvé un téléphone ici. Sécurité. J'ai laissé mon téléphone. Sécurité. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est le monsieur qui était. Ah oui. Qui? Attends. Vous êtes venu avec le footballeur. Il n'a pas payé. Il n'a rien payé. Non, moi, il devait payer. Mais vous avez pris votre argent. Donc, pris l'argent comment? Il nous a remis votre téléphone de garder. Et il a ramassé, il a volé tous les téléphones qui sont ici. Il a volé tous les téléphones. C'est mon téléphone, ça? Oui. Comment il a volé votre téléphone? Il a volé votre téléphone. Quand vous êtes venu maintenant, là, vous allez nous conduire. Mais je ne le connais pas. Moi, je voulais l'aider seulement. Tu l'as amené ici. Je voulais l'aider seulement. Ah, je l'ai amené manger seulement. Ah bon? Tu vois? Vous êtes complice. Vous allez vous expliquer à la police. Ah, monsieur, je ne le connais pas. Monsieur, attendez. Vous êtes complice. Attendez, ce qu'on m'a fait là. Laissez-moi, moi-même, je viens au commissaire, aller porter plainte et revenir vers vous.